On voit une annonce de don de sperme et on va le faire. Donc voilà. Donc par contre, il me semble que... Ouais, voilà. Je commence avec... Ah ok, si j'ai quand même quelques armes. Un couteau notamment. Une arme qui one-shot pas, bien sûr. Ok, donc je récupère déjà. Les nains sont increvables dans ce jeu. Allez, hop. Parce que c'est ce qui va... Ok, j'ai de la bouffe, c'est déjà ça. Ensuite... Je boite un peu, non? J'ai cru voir un truc à l'écran, mais j'ai pas eu le temps de réaliser ce que c'était. Ok, donc ici on a... Alors, de mémoire, c'est là que ça va commencer un petit peu à dégénérer. Déjà que ça a déjà bien dégénéré, hein, soyons francs. Ça va être là. Normalement, si je dis pas de bêtises, ça va être là. En fait, on va se taper un bad trip arrivé à un moment. Et c'est pour ça qu'il nous donne un tas de kits de soins. Hein. On va vraiment se taper un mauvais délire. Simple drop. Ah oui. Honey, I'm home. Damn, this is gonna take a while. Mon Dieu. Don't touch the cat. Ah ouais, c'est ça, mais c'est bien. C'est les chats de Tasmanie en gros. Checkpoint, ok d'accord, bon. Alors, faut éviter de s'approcher des chats maintenant. Parce que sinon les chats peuvent devenir en fait des véritables machines à tuer. Hein. Oh viens là, tu ressembles au mien, tu vois.
Ah, voilà. Hurting. Ow, stupid head wound. Et là, c'est le bad trip. Parce qu'on se retrouve, voilà, on a, en fait, on a des hallucinations. Voilà, franchement, c'est assez flippant. Je suis au max en ciseaux, c'est ça? Ouais, je suis au max. Et c'est là que ça devient un petit peu film d'horreur. En partie. Mais bon. En fait, on se paye des gros bad trips, quoi. Merde. This can't be good for me, but I feel great. Ouais, voilà, y a un tas de medikits partout pour qu'on puisse se soigner parce que sinon. Ah oui d'accord, je glisse sur l'eau, donc quand je marche dessus, je m'arrête plus en fait. Ouh la vache! Oh j'ai arrêté la grenade en plein vol. Alors, voilà. Bon, je suis pas à fond en ciseaux, mais voilà. Donc là, ça va mieux. Vivement qu'on ait des vraies armes, parce que les ciseaux, c'est vraiment pas efficace. Alors, ici. Ah oui, il y a la tête de bœuf, ça va être utile. Hop, voilà. Donc là, honnêtement, on est dans un... I am Lamenta Kira 9000, please step forward and urinate. Try not to splash me. On va essayer, voir si elle peut pas nous trouver un remède quand même contre les hallucinations, mais de mémoire non, hein. On se le tape jusqu'à la fin du jeu. Damn it, I said don't splash me, but god that is disgusting. Thanks for the urine. Ah oui mais non, elle fournit des pipes à crack comme ça. Et ouais, c'est ça, la machine fournit des pipes à crack, si on n'est pas infecté. Je me souviens de ça. Ok, alors. D'autres que ça. Ow, that can't be good.
Voilà, et là on a de nouveau une hallucination. Clairement qu'on se tire. C'est quasiment incroyable. Ok, c'est pas par là. Faut que je me laisse tomber à l'étage d'en dessous. C'est pas ça. Bon. On va se retaper cette petite partie-là ensemble. Quel con. Mais quel con! Va y avoir une fenêtre différente que je peux casser, certainement. Ah oui d'accord, ok, en fait faut que j'aille là-bas. Bon ok, j'ai compris le principe. Mais on va quand même aller chercher le gilet pare-balles. En fait après je peux sauter là-bas. Mais on va quand même aller chercher le gilet pare-balles. Et apparemment il y avait aussi des munitions avec ça. That's the stuff. Ouais, il y a des flingues. Il y a des flingues, donc... Oula. Oh, ce skill. Bon. Moi je propose un petit F5, voilà. Ok. C'est la porte, ok. Voilà, là on se sent un peu plus tranquille. Par contre... bizarre, c'est voilà quoi, c'est qu'on se prend des tripes, mais il y a du sang là où on n'est pas encore passé quoi. Ah non, c'est les chats. C'est les chats qui foutent le bordel. Il s'en est fallu de peu lui. C'est dès qu'ils vous touchent, ils sont aussi efficaces que le feu quasiment. Hein. Here we go again. I don't feel so good.
tant pis, je la prends. With my luck, that's really good for me, but I see what's right. Ou toi, t'as un truc qui m'intéresse. T'as que 4 balles. Et ça fera l'affaire. Ok, bon, pas de chance. Faut pas que je m'approche de ce nuage toxique. Bon, je suis à 50% de vie. On va économiser les pipes à crack pour quand on se sent mal. Pas moi qui ai coupé la jambe à la madame, tout le monde est témoin. Hein, c'est tout, Julien. L'administration. Ça va de mémoire, il me semblait qu'il faisait plus mal que ça. Ouh, headshot. Voilà, faut se méfier, eux ce sont des humains normaux. Ils ne font aucune. Ils ne font absolument rien de mal. Faut juste se méfier. Je préfère éviter qu'il se transforme. Qui est pas haute. C'est contrôle pour se baisser. Ok. Ok, checkpoint.
Excusez-moi, je parle pas beaucoup, je suis relativement concentré. Mais là, c'est, vous comprenez que le jeu a complètement pris une autre envergure, une autre tournure. Là, on est moins dans le fun. Franchement, je trouve que le jeu vire au glauque. Au départ, c'était plutôt marrant, et là, finalement, ça vire un poil à l'horreur, en fait. Et le jeu se complexifie énormément. Faut dire ce qui est. C'est nettement moins évident. Il y avait une petite pointe d'humour avec le... Comment ? Lors de la lecture des cartes, hein, vous avez pu comprendre qu'en fait, il y en avait qui c'était un bon rétablissement, puis... Ensuite, qui lui ont dit, j'espère qu'il va crever. Oui, j'ai repris une pipe à craquer. Bon, première chose qu'on va faire. Parce que, je vais nous emmerder. Ouais, bon, je suis trop loin. Alors là, de mémoire, il me semble que... Ouais, alors attendez. Voilà. Bon, je suis un peu trop loin, j'ai économisé une balle, même si j'ai ce qu'il faut en munitions. Donc là, on retrouve un truc que l'on connaît, hein. J'ai raté. Bon. Je vais voir là-bas, il y a un départ-balle, mais je sais pas comment je reviens. Petit coup d'F5 parce que ce saut là je sens qu'il va me faire chier, voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Ok. J'étais sûr, j'en étais sûr, hein, je... Plus ou moins je le pressentais. D'accord, je peux monter ici, il y a l'échelle ici. Aller là-bas. Ok, il y a encore un saut à la con. Petit coup de 5. Quand ça s'arrête quand même, hein.
petit coup de F5, je suis sûr qu'il va y avoir une sauvegarde automatique, mais... Non. Ouais, si, il y en a. Beyblade. Bon, je pense que je peux aller dans la flotte là. Non, j'avance pas tout seul, je pense. Ok, je suis sorti. Non, je suis pas sorti. Ici, F5 pour pouvoir appuyer tout. Juste, j'essaye. Hein. Ouais, bien ce qui me semblait. Si je tombe, je meurs. Donc. C'est pas bien compliqué. C'est quoi que j'ai récupéré? Fusil à pompe. Ah merde. Ah oui, ok d'accord, oui, ok. Voilà, bon, alors là, tous ceux qui ont des problèmes de vue, ou je sais pas, qu'on est trop dans cette équipe, peut-être devriez-vous éviter de regarder ça. Chelou quand même. Dommage, je trouvais le bleu un peu plus chaleureux. On dirait mon perso moi, mais bon. Ouais, non, c'est quelqu'un en blouse quoi. Ok, d'accord, c'est le bureau des admissions. Oh, le napalm. Oh oui, oui, c'est bon, c'est ce que je voulais. Mon Dieu, mais toutes mes armes sont là. Bah faux. Est-ce que j'ai ma machette? Non, j'ai pas ma machette, mais j'ai ma faux. Ah, là, là, ma machette. Ok, c'est... Mes grenades, non. Ok, c'est pas mal. Nouvelle salle d'examination. Pas l'air d'y avoir de danger.
Je suis à fond en ciseaux. Ah non, ça touche bien ça. C'est ça touche bien ça. Alors, faut savoir qu'on peut retourner la partie arrière sans être dans l'état de. Il y a quelque chose qui m'échappe là. Exact. Ok, on est de retour dans Paradise. Il me semble que depuis la... Oups. Hein? Tu peux arrêter de faire ça, s'il te plaît? Merci. Il était bloqué sur clic droit, je sais pas pourquoi. Alors... Sale bête. Aucun risque. Genre, j'ai un sécateur. Ouais, non, c'est décidé. J'ai rien à craindre. Allez, on va arranger ça. Le seul truc, c'est que je suis... Alors, je me souviens plus là. Honnêtement, je me souviens plus, mais il me semble qu'on va... Qu'on va avoir un bad trip en plein milieu de la ville. T'as de la chance. Alors là, ce qui est embêtant, c'est qu'on n'a plus du tout d'objectif. Donc on sait pas du tout où aller. Et la ville a énormément changé. En fait, on n'est même plus dans la même ville, j'ai l'impression. Ah, alors, il y a les noms des films. Alors, je me souviens plus du tout. Sperma von Dermant. Master Me Commander. Friday P. Biscuit. Ok, d'accord. Ok, je vais perdre un peu de vie. Saturday Lesbian Midget Wrestling. Ok, je vous traduis pas ça. Et Sunday Brutal Donkey Rape. Ok, ça, je suppose que vous savez ce que ça veut dire. Ouais, bah je prends. Putain, la vache, 110 quoi. Là, on va nettement plus se servir des pipa crack de toute façon dans la suite du jeu. Bon. Et on peut pas aller voir les films? Parce qu'il y a des films qui m'intéressent. Midget Wrestling, j'adore le catch. C'est vrai que j'adore le catch et j'ai plus le temps de regarder.
Franchement, j'adorerais qu'il y ait un Postal 2 basé justement sur le samedi et le dimanche. Parce que là, en fait, il n'y a plus du tout d'éléments qui correspondent au film. Voilà, donc il faut détruire la tête des zombies. Mais bon, à la machette. Quand on les découpe entièrement, voilà quoi ça. Voilà quoi. Quand on les découpe entièrement, quand on les démembre entièrement, ça compte comme si. On a une vingtaine de zombies comme ça à tuer. Voilà, je vous dis, ça vire plus à l'horreur maintenant. Je trouve que le jeu à partir de maintenant devient nettement moins fun. Sérieusement. Hein, Mais on va le finir, parce que de toute façon il reste 2 jours, puis il n'est pas plus compliqué que ça comme jeu. Et après, on verra Paradise Lost, que par contre je ne connais pas du tout. Paradise Lost, je ne connais absolument pas. Ah, je suis... Ok. Attendez. Voilà. Si je suis full amour au niveau. Voilà, au niveau de du fusil à pompe, pourquoi se priver? Je veux dire, voilà, quoi. Au moins je fais de l'instant sur les zombards. Thank you.
est pas mal là, 17 zombies sur 20. Et il me reste 94 balles de fusil à pompe, ça devrait le faire. Alors. Zombie. Mais qu'est-ce qu'il fait lui ? Cherche pas la merde comme ça, cherche pas l'embrouille. Bon, il m'en reste 3, je sais pas où ils sont. Pas être loin pourtant. Je suis pas remonté là-haut. L'occasion, ils sont juste en haut. Le matov, apparemment, je peux pas le prendre. Bon, écoutez, de toute façon, moi, je vais devoir m'arrêter. Ok, ils sont là. Il m'en manque un. Et moi, je vais devoir m'arrêter. Excusez, mais j'ai... Le devoir m'appelle, disons. Allez, à tout à l'heure. Très bien, nous nous retrouvons. Pour moi, de bonnes heures se sont écoulées. Et il nous reste un dernier zombie à trouver et à buter. Normalement, il doit être dans le secteur... Peut-être dans les chiottes et je l'aurais pas vu. Ah non, il est pas là. Donc. Ok, je l'ai. Oh. Ok, donc en gros on se fait recruter par les flics. Now pay close attention, sir. We found that the most effective and entertaining way to dispatch a cow is with this here government approved sledgehammer. Any questions? Okay. Depuis qu'on s'est pris une balle dans le front, sérieusement, on est... On est une vraie loque, quoi. Bon. En gros, on doit buter toutes les vaches. D'une. Ah ouais, violent quand même. On va commencer par les moins agités. Voilà. A chaque fois je crois qu'on me tire dessus, mais en fait non, c'est juste les... C'est juste les vaches. Ok, au cas où on a une seconde... On a un second marteau. Si j'avais un marteau, je cognerais le jour. Je cognerais la nuit. Oh, j'y mettrais tout mon cœur. Bon allez, hop, on y va. You're doing good, boy. Here, try these on for size.
Ooh-hoo-hoo. He's assaulting those poor cows. Somebody call Pamela Anderson. Get him. This one's for all the oppressed McNuggets. Est-ce qu'on a des fusils d'assaut? Ouais, on a un fusil d'assaut. On va d'abord s'occuper des fermiers. Ok. Ce qu'il y a, notamment s'il y a un medipack. Alors qu'est-ce qu'il y a là? Ok. That's the stuff. C'est quoi ça? Je peux pas le prendre. Okay. Update the nuts. Darcy is the devil. Ok, d'accord. Et y a rien ici. Ok. Même pas une petite trousse de soins, s'il vous plaît? Non? Tant pis. Ah si, si, il devait y en avoir une, mais je l'ai pas vue. Ok. Donc 8. Surprise! Putain, il m'a tiré une balle, j'ai perdu qu'un seul point de vie. Hein. Ok, une vache zombie. Oh, ouais. Bon, 11 sur 21, ça va, ça avance. Voici la recette du hachis parmentier. C'est moi ou j'ai l'impression de régène? Parce qu'il me manquait un point de vie et... Oh, c'était bizarre. C'est quand même l'affaire, hein, quitte à faire. Y'a rien là, y'a rien là. Là, les grenades, je suis à fond. Y'a un... Bon, je sais qu'il y a un pack de soins ici, au cas où. Bon. Allez, il nous reste une dizaine de vaches à trouver. Ok, il y avait un cocktail Molotov par terre. T'as de la chance, il y a le caillou. Elles sont là, non? C'est quoi ça? Ah non, ça. Ouais, si, c'est ça. Ah non, non, ceux-là, ce sont... Pourquoi les têtes de vache explosent? Bon,
C'est vrai. Come here, Cal. Trust me. It's just like sleeping. Quand on sait pas se servir de cocktail Molotov, on n'en lance pas. Dommage, je peux pas passer par là. Ok, d'accord, j'ai compris par où je devais passer. Il m'a chargé de... Ça fait mal qu'on fasse ça, c'est le petit merde. Hein? Il sort d'où ce chat? Il sort d'où ce chat? Bon, on recommence. Mais ça fait mal leur truc. Putain de sa race. T'es obligé de prendre une pipe. Moi, je traduis la dernière phrase qu'il a dit, hein, parce que je la comprends très bien. Tu peux me faire confiance, c'est juste comme dormir. Voilà. Que du bon goût. Ok. Je peux pas passer à la cinématique, ça fait rien. Ce qui manque à ce jeu, c'est les sous-titres. He's assaulting those poor cows. Somebody call Pamela Anderson. Get him. This one's for all the oppressed McNuggets. Ouais, c'est autre chose. Tiens, ce qui me semblait. Oh.
Alors. Tronçonneuse. Ridicule. Bon. Have a nice day. Oh là là, cette catchphrase. Il vient flinguer une nana et il lui dit passe une bonne journée. Que du bon goût, que du bon goût. Ok, d'accord, c'était ici qu'il y avait une trousse de soins. Mais j'avais pas vu. Qu'est-ce qu'il y a là? Non, y'a rien. Il me semblait avoir vu quelque chose. Bon, allez, ici, y'a rien non plus. You won't feel a thing, I promise. Que du bon goût. À chaque fois que qu'il nous charge, c'est regarde ce que je prends les autres. Ouais, alors attendez, hop, quitte à faire là ça. Flingue était pas dans tes mains, toi. Drôle de posture. Ok. J'avais pas vu ma vie. Ok, là y a un gilet pare-balles. Je prends. Il y a un bang là-haut. Ok. Bon. Ah, visiblement, j'ai fait le tour. Allez. Okay.
D'accord. Chaque fois je me fais toucher. Bon. Il en reste 5. Non, il en reste 6, pardon. Oups. Le cran de sûreté, bordel. Bon, où sont les vaches manquantes? Here, cow. Ah. This can't be good for me, but I feel great. Qu'une. Ben voilà. Well done, son. You did so well. I'm promoting you to chief pigeon relocation engineer. Congratulations. Here's your rocket launcher. Don't abuse it now. Ah ouais. I told you no. What the hell you think this is? Friggin' bullshit. What do you got, Steve? Hold on. Proposal for the pigeon mission. Proposal for the pigeon mission? We ain't got no budget for pigeon missions. The fuck are you kidding me? The kids. Gotta think of the kids. Look at the quality of this video. You want mother? Enough. Hold on, I said. Who is this? Get on the fucking line, you want money too. You, fuck you too. La mission de pigeon a été annulée dû à un manque de budget. Mais genre quoi, c'est comme si on l'avait fait à la fin quoi. Vous avez vu la gueule de la ville? Bullshit interactif. On a bien compris que c'était marqué bullshit interactif. Je revois juste quelques munitions de. Je suis à fond hein. Ah ouais, ah, excusez-moi. Donc là j'ai pas bien compris ce que je devais faire. A priori il y a une grille qui a explosé, je pense qu'on peut la trouver. Ok, ici c'est l'hôpital. Donc on se retrouve dans une ville quand même relativement différente de Paradise, telle qu'on l'a connue avant notre internement. Il y a du grabuge là-bas. C'était cet homme apparemment qui faisait du grabuge.
Ok, on va voir ce qui se passe là-dedans. No weapon. Ouais. Bon, je suppose qu'il va falloir foutre le bordel là-dedans. Même pas le temps de m'expliquer. Hein. Oh. Oh non, pas cool. Pas cool là, ça c'est pas au bon moment que ça arrive. Ils sont invincibles les machins en plus. On a vu ta culotte. Bon. Qu'il y avait un pack de soins ici, on peut éventuellement attendre de ne pas être accro au crack. Bon. Un téléphone qui sonne, c'est là. Il y a un téléphone qui sonne, mais ça peut l'air d'être celui-là. Ah, ok, j'ai vu. Là que ça continue, break room. Putain, mais... Plus de vie les ennemis, sérieux. Attends, je peux voir la musique. Ok. Donc en fait, j'ai plus l'impression que cette arme qui est vraiment pourrie. Quelque chose à récupérer ici. Bon,
Je vais prendre ça déjà. Ah, ça a l'air calme ici. Ok. Donc ça c'est good. Je vais où maintenant? Perturber la tranquillité de ce lieu. Ok, là-bas, il y a une autre entrée. Oh oui, ça y est, ça me revient. C'est en gros le boss, lui. Ah, c'est le boss de la journée. Le jeu a bugué, je crois. Allô, oui? Le jeu a bugué. Non, ok, on était obligé de perdre. C'était... D'accord, c'était une mort scriptée. Il nous a envoyé... Il nous a envoyé une roquette en kryptonite. Look at that! Must be some pissed off ex-employees. Holy shit! Man, I never knew I fired so many people. The arsenal's open for business now. Come on, guys, let's kick some zombie ass. C'est où? C'est où? Donnez-moi accès à l'armurerie de Bullshit Entertainment. Okay,
Vous avez même dit pour Oncle Dev. Mais on est chez Oncle Dev là? Non.